Le concept de l'enseigne consiste en un steakhouse à la française. C'est une enseigne qui a été créée en 1968 par Christian Guignard, inspirée d'un concept américain adapté au marché français. Alors, un futur franchisé doit être un entrepreneur, il me semble que c'est un prérequis, un commerçant, mais également un manager. Et un franchisé doit jouer collectif et pas seulement défendre ses intérêts individuels qui doivent passer après les intérêts du réseau. Alors écoutez, nous avons un droit d'entrée de 50 000 euros et ensuite une redevance de 5%, redevance de franchise et 1% pour la redevance marketing. Alors nous accompagnons le franchisé sur l'ensemble de son projet, dès la prise de contact jusqu'à son... nous l'accompagnons également sur son financement, sur son business plan, sur l'ouverture de son restaurant, sur le recrutement des équipes, sur l'élaboration de sa carte, et nous l'accompagnons tout au long de son contrat de franchise d'une durée de 10 ans. Alors l'actualité du réseau est extrêmement riche puisque nous avons sorti notre nouveau concept en décembre 2017 en rénovant notre restaurant d'Hippopotamus Wagram. Nous avons réalisé 14 rénovations sur 2018 et nous avons un plan de rénovation de 30 restaurants sur l'année 2019 avec les franchisés également qui se lancent dans la transformation de leur restaurant en steakhouse à la française. Alors nous sommes une enseigne qui a plus de 50 ans, nous avons fêté en 2018. Nous sommes adossés à un groupe important, un acteur majeur de la restauration puisqu'il s'agit du groupe Bertrand. Et nous avons un concept de cuisson qui nous est propre puisque tous nos produits sont dorénavant cuits à la braise.